Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, j'ai 60 ans et je vous fais cette petite, cette petite vidéo juste pour vous dire que si un jour un médecin vous dit d'aller voir un autre médecin, faites-le. Ça permet comme ça de, comment dire, ça permet quelque part, entre parenthèses, de vous sauver la vie. Et c'est ce qui m'est plus ou moins arrivé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, janvier 2020, j'étais en arrêt de travail suite à un accident de travail et une dépression derrière. Je vais reprendre mon travail. Donc, pour reprendre son travail, il faut aller voir la médecine du travail. Et là, le médecin me dit, vous avez un souffle au cœur. Je vous conseille d'aller voir votre cardiologue. Chose que j'ai faite. Je suis allé voir le cardiologue. Et là, le cardiologue, en me faisant les examens nécessaires, donc une échographie du cœur, il est descendu sur les vaisseaux principaux, dont celui qui va au foie. Et là, il me dit, il y a une grosseur sur le foie. Et apparemment, il y avait là, j'ai le papier sous les yeux. Neuf centimètres d'épaisseur. Voilà. Il existe une masse hépatique sur un foie augmenté de volume de 9 cm d'épaisseur. Donc, je suis allé voir un spécialiste suite à ça. Ils m'ont fait faire des IRM, tout ça. Et effectivement, oui, j'avais une grosseur sur le foie. Et comme elle grossissait de plus en plus, ils m'ont pas fait de biopsie. Donc le 9 juillet 2020, ils m'ont retiré une partie, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, une partie, cette partie-là, de mon foie gauche. Voilà. Et où on voit le trait de crayon, de stylo, en fin de compte, c'est où le médecin, là, ici, c'est où la tumeur était positionnée dessus. Donc, c'était une tumeur qui était posée sur le foie. Mon foie est sain. Il n'y a pas de cirrhose, rien du tout. C'est un petit peu l'avantage du truc. Et comme ça a été pris assez tôt, entre parenthèses, donc ils ont fait une ablation, enfin une ablation de la partie gauche de mon foie. Donc derrière ça, je suis suivi, j'ai été suivi par contrôle IRM, truc comme ça. J'en ai fait deux à intervalle de 3 mois. Au deuxième, ils se sont aperçus que mon foie, sur mon foie, il y avait des traces de récidive. Donc à partir de là, ils m'ont dit, on va faire un traitement. Donc c'est un genre de chimio. Hein. C'est pas la chimio pure comme on voit. Bon, les gens, c'est un petit peu ma chance quelque part, si je peux dire là-dessus. Comme ça a été pris à temps. Comme il n'y a qu'une tumeur et sur le foie tout autour, il n'y a rien du tout. Donc cette chimio est ciblée sur le foie. Donc j'en suis là à la date d'aujourd'hui. On est en novembre. Donc j'en suis, je crois, bon, je vais dire une quinzaine à peu près de chimio. Donc à raison de une tous les 21 jours. Ça se passe très bien. Je suis à 17% de régression de la maladie. Là, lundi, je revois mon professeur. Donc, et puis après, bah, on continue quoi, le traitement. Donc, le moral, très bien. C'est un peu grâce à ça que bah, vous m'avez connu sur YouTube pour certains, où je me suis mis à faire des maquettes, et puis j'ai dit, allez, je vais faire pareil. Et c'est agréable parce que c'est grâce à ça aussi que je tiens. Grâce à la famille, grâce à tout ça. Et grâce à tous les gens qui viennent sur ma chaîne et bah, qui regardent mes vidéos, pour moi ils sont là avec moi et ils m'aident.
ils m'aident dans la maladie et pour ça je vous dis merci. Donc cette petite vidéo c'était surtout pour vous dire, si un médecin un jour vous dit d'aller voir un autre médecin, faites-le. Ça peut vous sauver la vie, entre parenthèses, voilà. Ça peut, comme dans mon cas, ça m'a permis de dépister un cancer plus rapidement que prévu. Parce que le cancer du foie ne se décèle pas, j'avais pas de douleur, hein, voilà, il n'y avait pas de douleur. Soit vraiment sur la fin, ou quand je me baissais pour mettre mes lacets, j'avais une petite barre ici, dans le bas. Voilà, mais pas de douleur vive, quoi que ce soit. Écoutez, cette petite vidéo, c'était juste pour vous dire ça, quoi. Allez voir le médecin, ça peut vous sauver. Alors, pour ceux qui voudraient s'abonner à ma chaîne, voilà, vous cliquez la petite cloche, comme ça vous serez prévenu pour les vidéos. Vous likez si vous aimez. Vous laissez des commentaires, j'y réponds. C'est surtout pour ceux qui veulent s'abonner, c'est gratuit. Et ceux qui voudraient, continuer à discuter un peu de ça, pourquoi pas. Voilà, laissez-moi un petit commentaire et je verrai, parce que c'est vrai que là je vous ai dit comment ça avait été décelé. Après, on peut voir comment je vis avec. Je vis très bien d'ailleurs, hein, ça ne m'empêche pas de vivre. Au contraire, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, surtout de savoir que, bon, ça a changé ma vie, pas en mal, quelque part en bien, voilà. Alors sur ce, écoutez, je vous embrasse tous, hein, et à bientôt avec les vidéos classiques, hein, le Bismarck, la Mountain, et pourquoi pas revenir dessus, laissez-moi des messages, et je verrai si je continue à vous parler de ça ou si on laisse tomber, voilà. Ciao. Encore merci à vous tous et gros bisous, portez-vous bien et soignez-vous bien.